Il reste encore un mois avant la rentrée scolaire, mais pour certains parents, c'est un dossier à régler au cœur de l'été. Ceux qui souhaitent pratiquer l'école à domicile, un mode d'enseignement dont les modalités ont été revues. Conséquence, des parents ne pourront pas donner cours à leur enfant à la rentrée. Illustration dans le Tarn avec Robin Doreau et Véronique Galli. C'est le seul oiseau du village. Vacances d'été ou pas, dans la chambre de Jade, c'est cours de français avec un poème de Jacques Prévert. Qu'est-ce que tu as compris dans ces premières phrases? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends le... Et le village fait à l'oiseau de merveilleux. Depuis 2 ans, ce sont ses parents qui ont remplacé la maîtresse d'école. La jeune fille apprend les maths, l'histoire ou la musique, ici en famille. Un changement de rythme pour elle et pour ses parents. Toute la vie familiale est également organisée de telle sorte que voilà, on puisse passer du temps avec nos enfants, les instruire, leur apprendre le goût du travail, mais aussi répondre à leur curiosité également. Tu as le texte au dos, tu peux t'y référer? Quand j'étais à l'école, en fait, j'adore faire des choses, mais quand on m'oblige, j'aime plus les faire. Et du coup, à la maison, c'est un peu différent? Oui. Qu'est-ce qui change? Je peux choisir ce que je fais, je peux choisir ce que j'ai envie de faire. Mais dès cette rentrée, via la loi contre le séparatisme, l'instruction à domicile sera soumise à autorisation. Si les enfants déjà scolarisés à la maison ont obtenu des dérogations pour la rentrée prochaine, toutes les nouvelles demandes ont été refusées par l'Académie de Toulouse. C'est le cas de Nora, la petite dernière. Elle aussi veut suivre l'enseignement de ses parents. Un refus incompréhensible pour Jalil, le papa. On a 98% de contrôle positif. On est 60 000 en France. On n'a aucun cas de fichier S ou de séparatiste ou de terroriste ou quoi que ce soit. Avec d'autres parents, Jalil et Karen se battent pour faire entendre leur droit à donner cours à leurs enfants. Plusieurs recours ont été portés devant le tribunal administratif de Toulouse, mais les décisions se font attendre. Le cas de Nora sera étudié dans les prochains jours.